De lutte ouvrière depuis une dizaine d'années et elle est notre invitée, Nathalie Arthaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à la présidentielle pour la troisième fois. Vous êtes en campagne dans le sud-ouest. Alors, vous voulez faire entendre la voix des travailleurs. On commence par le domaine de la santé. Vous critiquez beaucoup, notamment, la gestion de cette crise sanitaire dans les hôpitaux. Oui, là, ce que j'entends, y compris sur cette cinquième vague, hein, c'est finalement de nouvelles contraintes, toujours. Enfin bon, le gouvernement exerce une pression, hein, sur la population. Et le vaccin, vous Bon, comprenez mais cette pression sur le vaccin aussi? moi, vous savez, en matière de santé, j'écoute ce que disent les médecins et je me conforme à leurs prescriptions. Mais ce que j'observe, c'est que le gouvernement, lui, ne fait aucune pression sur lui-même. Pour enfin sortir de cette crise hospitalière, parce qu'en fait, depuis la première vague, le gros problème, c'est l'engorgement des hôpitaux, c'est le fait que nos hôpitaux sont sur le fil du rasoir en temps normal. Et ça fait des années que ça dure. Vous savez, les urgences saturées qui doivent fermer, faute de lits, faute de personnel. Donc Mais le là, gouvernement, pourtant, il a soutenu l'hôpital durant cette crise sanitaire. n'empêche Le qu'on en quoi qu'il en sort. coûte, on en parle beaucoup. On en sort avec moins de lits, vous vous rendez compte? On en sort avec moins de lits. Et là, le fait est que il y a une forme de panique aujourd'hui au gouvernement, précisément parce que avec la bronchiolite, avec le retour de la grippe, eh bien une arrivée de nouveaux malades de Covid risque de faire exploser l'hôpital en vol. C'est Ça ça fait la beaucoup. réalité. Alors. Donc il faudrait, et moi c'est ce que je milite là-dessus, il faudrait bien sûr embaucher, il faudrait des formations pour les hôpitaux et augmenter les salaires de façon à ce que les conditions de travail changent dans les hôpitaux. Alors, les salaires, le pouvoir d'achat, tous vos concurrents durant cette campagne en parlent. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Ah bah clairement, ce que nous apportons de plus, c'est que nous disons, nous, qu'il faut prendre sur les profits. Il faut prendre sur les profits des entreprises. C'est pas normal de voir que d'un côté, les milliardaires s'enrichissent toujours plus, que les actionnaires sont servis en veux-tu, en voilà, et que toujours, toujours, c'est le même discours qu'on nous sert, à nous, travailleurs, hein, c'est qu'il faut travailler plus et se contenter de moins. Parce que c'est y compris des salaires qui sont bloqués, voire qui sont diminués, parce que c'est le blocage des salaires et c'est l'allongement du temps de travail. Donc, Et décadence infernale. ce discours-là, il est tenu par la gauche aussi. Quel regard Non, vous portez il n'est. justement sur vos concurrents de la gauche? Je pense par exemple à un certain Philippe Poutou chez nous. Ah oui, bon, bah Quelle avec différence Philippe avec Poutou, on lui? est d'accord avec lui pour dire que tout ça, c'est une question de combat, c'est une question de rapport de force. Mais voilà, nous allons concentrer notre campagne sur justement les problèmes et les intérêts vitaux du monde du travail, parce que nous pensons qu'en effet, si il ne renoue pas avec les luttes et avec cette combativité qui a toujours permis de faire avancer nos droits, eh bien, nous serons éternellement sacrifiés dans le cadre de cette économie. Donc vous, Et c'est il la faut la révolution, c'est changer. la révolution. En fait, le poste de président de la République, c'est pas ce que vous convoitez. Évidemment, vous faites 1% à chaque fois. Du coup, qu'est-ce que vous cherchez? Ah mais je pense que les travailleurs, ils ont une politique. Cette politique, c'est effectivement de se battre, de s'organiser, de s'unir et de ne pas croire dans ces promesses de politiciens qui ne changent rien d'élection en élection. Donc il faut Que renouer ce avec ce soit qui les a candidats de la marché. gauche ou pas, d'ailleurs. Il faut renouer avec ce qui a marché, c'est-à-dire le rapport de force et les luttes collectives. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'être venue sur ce plateau. Une marche au